Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Tooth Fairy 2 de Alex Zhang, sorti en Blu-ray chez Fox le 6 mars 2012 et mettant en vedette Larry the Cable Guy, Brady Rater, Erin Butte et David Mackay. Un homme tente de reconquérir la femme qu'il a perdue, mais fait l'erreur de dire à un jeune garçon que la fée des dents n'existe pas. Comme punition, il devra devenir la fée des dents pendant un certain temps. On peut pas dire qu'on attendait la suite de la fée des dents avec impatience. Dès le début du film, on comprend que les personnages ne sont en fait que des caricatures grossières de grandes personnes. En fait, ceci s'applique seulement aux personnages masculins. Le personnage féminin étant, comme dans beaucoup d'autres films de la même catégorie, à l'opposé des hommes, belle, intelligente, gentille, parfaite, une figure maternelle vivant dans un monde où les hommes ne sont jamais sortis de la maternelle. Le personnage le plus intéressant du film est le père du petit garçon qui ne croit plus aux fées. Bien qu'il soit lui aussi masculin et donc peu intelligent, il ressemble plus à cet homme de peu d'éducation qui se retrouve désemparé devant le fait d'élever son fils. Surtout que celui-ci montre beaucoup plus d'intérêt pour l'art que pour le football. On reste dans la caricature, mais plus douce. Étrangement, le fait d'être un personnage secondaire très peu présent dans le film lui donne probablement la possibilité d'ajouter une touche presque dramatique qui n'a rien à voir avec le reste du film. Le scénario est tellement prévisible qu'on a à peine besoin de voir le film pour savoir ce qui se passe. L'Irlando de la pochette suffit amplement. Pour les gags, on nage entre le déjà-vu et l'humour de basse classe du genre une fée des dents obèse et poilue qui a des gaz après avoir mangé des burritos. On insère quelques leçons de vie et de parentalité pour faire passer la bassesse du reste du film. La plupart des acteurs ne semblent pas capables de jouer correctement. Seul Erin Butte garde un minimum de crédibilité dans son jeu, et on peut pardonner à Brady Rater qui n'a à son actif que quelques films et séries télé. Mais Larry the Cable Guy et Devin McKay ont l'air de laisser tout le travail d'interprétation à leur costume. Le film est présenté en format d'image 1.78, en anglais DTS HD Master Audio 5.1, en français Dolby Numérique 5.1 et en espagnol Dolby Digital 5.1, avec les sous-titres anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve Why Do I Lose My Baby Teeth, une scène animée par Larry qui répond à la question. Le making-of du film, un documentaire sur le costume de ballerine de Larry et sur Crusher, le cochon, ainsi que des scènes retirées ou modifiées. En conclusion, je dirais qu'à côté de Tooth Fairy 2, Big Mama 3 avait un charme certain et plus de consistance. Avait-on vraiment besoin d'un film complet pour rire d'un homme gros habillé en ballerine rose? C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement!